J'aimerais terminer, c'est devenu comme une habitude de vous adresser un hommage. Aywa, abe, venant de l'un de notre fils. Ni kera an tabulo ye, dobe toka majamuli do di ama muso koson, mbe feka okala awi. Il adresse cela aux femmes des églises évangéliques baptistes de Nyamakoro. Aye o seven ka nyeshi église évangélique baptiste ma Nyamakoro. Et il vous adresse aussi ses hommages. Ola abe nyeshi amuso bekelenkele mafana. Il s'appelle Papa Agali. A toko ko Papa Agali. Donc je vous lis. Me akala awye. Peut-être tu vas ramasser après. Bien. Si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulait. Pour nos femmes, nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nos amis, nos filles, hommage à toi, femme, à ta capacité d'aimer, de donner, de partager, d'accorder, de concéder, d'accepter, d'admettre, d'éprouver, d'endurer, de supporter, de tolérer, de pleurer, de porter, d'accoucher, d'allaiter, de te dévouer, te transformer, t'oublier, te sacrifier. Tout ça pour les femmes. Applaudissez-vous. Vous avez toutes ces qualités-là. Hommage à toi, femme, de tous les milieux et de tous les contrastes. Femme au foyer, femme salariée, femme du village, femme de tout âge, femme d'aujourd'hui, femme épanouie, femme qu'on oublie. Femme à qui on ne dit rien. Femme du quotidien, de tous les jours, de tous les matins. À ton rituel pour que tout le monde aille bien. À ton rythme et tes va-et-vient. Hommage à toi, femme qu'on ne remarque pas, mais qui fait tout bien. Femme qu'on appelle ordinaire et qui n'a pas de journaliste qui lui court derrière. Femme choyée, femme oubliée. Femme aimée, femme ignorée, femme appréciée, femme dépréciée, femme désirée, femme réprouvée. Hommage à toi, femme, qui puise ton courage. À toi, femme, pense à ton entourage. À toi, femme silencieuse, prise par le train quotidien, à ta douceur et ta simplicité, à ta manière d'être, à ta gaieté, à ton contentement, à ton humeur, à ton enjouement, à ta vitalité, à ta vivacité, à ta synergie, à ta stratégie et à ta philosophie. À toi, femme, mes hommages, à l'amour que tu portes dans ton cœur, à la blessure que tu penses sans rancœur et à ta joie de vivre malgré ta douleur. Combien d'hommes ont fait le tour de ton univers et combien t'ont aimé ou regardé de travers? Hommage au symbole de l'amour que tu es, à ta féminité, à l'inspiration que tu es, à ton regard fascinant, créant toutes sortes d'imaginations, à ta force, à ta résignation, à la femme que tu es, à la mère que tu es. Hommage à ta discrétion et non pas ta résignation, à ta force et ta détermination, à ta confiance, à l'espérance et ta patience, à ta santé que tu sacrifies sans jamais te plaindre, à ta manière de te priver pour assurer, à tes inquiétudes et tes prières, à tes heures de sommeil cédées. À ta beauté de générosité, tu donnes en premier sans rien demander. À ta force, à ton courage de surmonter toute épreuve. Hommage à la mère en toi, qui élève, qui éduque, qui assure. À la femme qui ne s'est jamais plainte et qui continue à se taire,
à l'amour qui grandit en toi, en silence et ta patience. À ton égalité avec l'homme et ton émancipation, à ta façon de troquer une partie de sa santé et te sacrifier, à ta manière de te priver des petites choses, mais aussi des grandes pour assurer. Combien de rêves et de loisirs as-tu sacrifié? Hommage à ton humilité, à ta miséricorde, à la saveur de la vie et le désir que tu donnes à ta ténacité. Jamais tu abandonnes. À ta capacité d'apaiser les souffrances et d'aimer avec abondance. Tu transformes douleur en éclat de rire. Tu encaisses sans rien dire à ton désir de rester femme, d'être femme, femme à part entière. Hommage à la femme qui sourit alors que son regard est brodé de larmes. Quand bien même une femme triste est magnifique. Est-ce une raison valable pour la faire pleurer? Combien de femmes dans leur amour propre ont été blessées? Combien de femmes par des hommes se sont senties trahies et délaissées? Combien de femmes de la barbarie d'un homme sans scrupules ont-elles encaissé? Combien de femmes, par une main levée sur elles, ont été abattues et blessées? Combien, par une violence verbale ou un silence étouffant, ont été affectées? Combien de femmes ont été harcelées ou violées? Hommage à ton silence, à ta manière d'encaisser et ne jamais cesser, aux oublis que tu accordes en dépit de toutes les discordes, à ton besoin et t'abandonner sur une épaule d'entendre de belles paroles vibrer ton âme, sans crainte ni blâme, à ton besoin intense de sentir à tes côtés une présence, à ton sourire qui rayonne, à ta capacité qui étonne. Tu ne demandes rien en échange. Hommage à ton héroïsme direct. Hommage à ton sacrifice concret. Hommage à ce précieux don que tu portes en toi, à cette tendresse sans fin et à ces rayons de bonheur. Mais hommage à toi, de l'Église évangélique protestante de tous les Mali. Cet hommage est adressé. Que Dieu vous bénisse.